Yo. Ok. T'es trop collé au mur. Bah là, t'es encore plus collé au mur. Je fais comment pour te tourner autour? Oh putain, non. Ok, je suis mort. C'est terminé. Non. Fiole, fiole, fiole. Ok. Oh, trop tôt. Trop tôt. Je suis fini. Ok, yes. On vient enfin de se recroiser là! Oh. Putain! Putain! Bah oui, mais. Tu vois, c'est ça qui est chiant, c'est s'ils ont leur attaque synchronisée, tu peux pas faire grand chose quoi. Même si t'en pars un, l'autre il te déglingue. En plus, il a une hitbox de frappadingue lui. Frappadingue, oui, ça se dit. Oh, l'RTSR qui est de retour! Putain, je peux même pas me soigner parce que. Ok. Putain, mais sérieux, c'est limite plus simple d'aller la taper elle, quoi. Ouais, et puis elle se barre. Elle se barre, quoi. Ah! Ok. Non, c'est trop dur comme ça. Il faudrait que j'arrive à. Ok. Tiens. Alors c'est ça la Moonlight Ultime, hein? Ouais, bah NG plus 4, alors. Qu'est-ce qu'elle me fait? Ce qui est marrant, c'est que même si tu tues Velstat, tu crois que tu t'en es débarrassé. Mais après, t'as une chance, pareil. Putain, t'as une chance non nulle qu'elle te le refasse juste derrière. Ça m'est déjà arrivé. Du genre, tu tues Velstat. Il se passe, tu sais, un petit échange de coups avec Elana. Et ensuite, elle refait une invocation et je vois le gros trou, je fais mais non. Et je vois Velstat qui revient, tu sais. Yes. Ah là là. Terrible. Terrible, terrible. Un boss qui invoque un boss. Non mais je trouve toujours que c'est une bonne idée, hein. C'est dur à en crever, mais c'est une très très bonne idée. Ils ont pas pensé qu'en fait des mecs que. Très bien. Ils ont pas pensé que des mecs comme moi, ils allaient faire le jeu à des NG très très haut, tu vois. Avec des armes peut-être pas très adaptées pour le NG+. Bon, mais c'est pas grave. On peut s'en sortir quand même. On peut s'en sortir. T'imagines Gwen qui invoque ses Ornstein, Smough, Artorias, Go. Elle me parle même plus, tu sais. Oh
Ok, j'ai mon endurance, tout va bien. Ah si, on lui fait quand même des dégâts hein, pour du NG plus 4. Certains vont me dire que c'est pourri, mais honnêtement, vu les dégâts qu'on lui fait d'habitude... Voilà, faut qu'elle continue en fait à faire ça. Il faut la forcer à attaquer. Voilà, maintenant c'est mort. Pendant son invocation... Voilà, Raven, il envoie la sauce. Je suis mort. Oh, oh le APV. Le APV toujours présent. Ah, le soin, le soin. Putain, soin APV. Mon dieu. C'est Fierico. Bienvenue. Bienvenue dans la communauté restreinte du Pouya. Ok, yes. Ok, donc toi, t'as envie d'attaquer. Chasse hein, les trucs. Putain, j'aurais bien aimé les taper les deux en même temps quand même. Ok, si elle avait enchaîné sur un deuxième coup, j'étais cuit. J'aime de vie, j'aime de vie. Et allez, c'est parti pour la fin. J'aime de vie, j'aime de vie. Oh putain. Puis Velstat, il a une hitbox tellement craquée. M'en vais, je m'en vais. C'est vrai que ce serait plus simple s'il pouvait se frapper ou que... Au moins... Je suis mort. Putain. Velstat aussi qui met 10 ans à te frapper, ça c'est... Voilà. Oups. Très appréciable Velstat, j'adore. Mais regarde ça, putain. Mais comment t'esquives ça en même temps? Wouh. Ce qui m'énerve, c'est que putain, elle est pas non plus... Voilà, c'est... C'est pas infaisable du tout, mais... Il faudrait que j'arrive à coincer Velstat. À qui... Ouais, mais regarde, elle, à chaque fois, elle se rapproche. Parce qu'en fait, la strat... Si tant soit peu qu'il y a une strat, j'aime de vie, c'est de mettre Velstat dans un coin, qu'il fasse une attaque, et toi tu cours vers Elana et tu lui mets un petit coup. La strat ce serait ça. En vrai. Mais c'est pas évident en NG plus 4 hein, cette affaire. Voilà, tu vois, tu lui mets un petit coup. Bon, ça a l'air de rien comme ça, parce que je l'ai fait une attaque en courant, ce qui en plus fait des dégâts moins bien, mais c'est pas grave. Ok. Non, non, mais tout va bien, tout va bien. Alors. Là, tu vois, c'est un peu chiant. Parce que dès que je me rapproche d'elle, elle fait son AOE. Du coup, bah, je suis comme un con, là, je peux rien faire. Donc, je dois attendre que lui il fasse des coups.
Je l'ai pas vu. J'aime de vie, j'aime de vie. Ok. Oh mais très bien, très bien. What? That's new? Ah, d'accord. Ok. Très bien. Elle a invoqué les cochons. Super. Putain, je n'ai pas d'ouverture. Oh bah oui, super. Je crois que Casper, tu l'as bien chopé là. Bon alors du coup maintenant j'ai deux invocations. J'ai les cochons. C'est le bordel, hein. Salut Servant 2800 et bienvenue dans un nouvel épisode de la ferme célébrité incroyable. Alors regardez, il n'y a que des stars. Hein. Elana, Velsta, Raven avec des cochons incroyables. Qui l'eût cru sur ce stream? Ah putain, les cochons! Oh les enculés! J'aime de vie, j'aime de vie! Putain, il faut que je me méfie des cochons. Ah putain, et puis le lock qui va dessus. Et il faut que je me méfie des cochons maintenant. Formidable. Mais putain. Yeah! Ok. Velstat arrive. Voilà. On slalom. Et non, parce que je n'aurais pas eu le temps d'attaquer. Ou alors j'aurais eu un problème. Putain mais, tas de cochons. Putain mais sale pute. Je vais manquer de fiole à force. Putain. Je peux pas courir en fait et lui mettre un... Ah putain. Je suis mort. Je suis mort, c'est terminé. Velstat n'a pas attaqué. C'est terminé. Ah putain! Quel combat! En plus, avec les cochons, c'est dommage. Mais t'imagines, elle aurait invoqué les squelettes? Ah, oh, mais non. Ah, c'est dommage, putain, on a tenu. Hein. On a tenu, mais ça n'a pas suffi. Oh là là. Oh putain. Fais chier. Aïe aïe aïe. Alors non, je crois pas qu'elle puisse invoquer deux fois les mêmes. À moins qu'on me confirme que si c'est faisable, mais. Merde, putain. J'ai pas perdu assez de vie. Merde. On revient. Mais à moins qu'on me confirme que c'est faisable ou quoi, mais je crois pas que vraiment elle puisse invoquer deux Velstat. Sympa le fight, tu passes ton temps à courir. Oui, parce que tu ne peux pas... comment dire, c'est un peu comme le combat Frid et tout le bordel dans DS3 en fait. Si t'as Frid et Ariandel, si t'as pas les bons moves... Bah, tu peux pas vraiment attaquer, en fait. Voilà. Ce serait pas faisable, mais ce serait drôle. Oh, putain. Ok. Ok. Allez, on est reparti. Le perso doit avoir des méga mollets. Allez, full buff. C'est quoi, on a fait un super combat, là. Oui voilà, plusieurs squelettes par contre il me semble que je l'ai déjà eu.
je l'ai déjà eu. Alors franchement, les dégâts sont corrects. Hein. Je suis mort. Ouais, elle s'est retournée. Putain, elle est dégueulasse. Hein. Moi, en fait, le must, mais c'est impossible. C'est impossible. Est-ce qu'elle peut invoquer plusieurs fois les cochons? Est-ce que c'est faisable de le faire ou pas? Est-ce qu'elle peut invoquer les cochons, tu vois? La grande question que je me pose. Wouh! Oh merde. Pas perdu assez de vie. Putain, je sais plus par quelle plateforme on faisait pour être pile en RTSR à chaque fois. Elle peut, mais faut. Ouais, bah c'est ça. Parce que le fait, je sais que à l'époque de quand je faisais le jeu sous NG plus 2, Serment des champions, découverte des DLC, beaucoup me disaient mais putain je savais même pas qu'elle pouvait invoquer des cochons tu vois. Donc ouais la probabilité est déjà très rare. Ok nickel. Ok super nickel. On tourne et retourne. Putain. Ah là là. Après, on fait un autre boss, si ça vous convient. On a fait un super try tout à l'heure. C'est juste que quand je fais un bon try, j'ai envie de retenter direct, en fait. Ouais, c'est parti. Non, non, casse-toi. Tu la vois même pas avec mes armes. Regarde ça, 1200 de dégâts, oui monsieur. Je peux pas l'attaquer, il faut que j'attende. Okay. Je préfère qu'elle fasse ça. Plutôt qu'elle fasse une invocation. Il faut qu'elle le fasse le plus tard possible. Mais là, normalement, elle va le faire. C'est pour ça que j'ai fait deux coups. Voilà. Putain. Ah. Gang Squad. On va aller faire le Gang Squad. Aïe aïe aïe. Aïe 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 aïe. Allez, on va faire Gang Squad. Gang Squad, on va se rééquiper. Voilà, là on est un peu mieux. On va se mettre ça. Et Gang Squad, on va le faire avec le parma de fer. Alors par contre, attends, le Gang Squad, pour le faire, il faut retourner au feu. C'est celui-là, je crois. Exactement, Nierless. Exactement, en fait, c'est pendant qu'elle invoque, il faut lui mettre la blindée de dégâts, mais c'est pas évident. Pas évident. Amir Perrault, bienvenue. Bienvenue dans la communauté restreinte du Booyah. Allez, on va aller faire le Gang Squad. Et là, certains vont me dire, bah alors, tu fais pas signe le dragon? Alors qu'il est après Elana. Oh là là. Terrible. Terrible, terrible. C'est con qu'il n'y ait pas une cinématique quand même pour les boss de DLC de ce jeu. Enfin, de ce jeu, de ce DLC, tout simplement. Parce que t'as des cinématiques pour certains boss, mais genre dans le DLC, zéro quoi. Enfin, les DLC, non, remarque. Y'a aucun DLC où t'as une cinématique de boss. Je crois qu'ils reviennent. On va aller se barrer.
Voilà, on se sert de la clé. Aïe. Allez, allez, allez. Konix, bienvenue. Bienvenue dans la communauté restreinte du Pouille. Ok. Tout va bien. Tout va bien. Ça fait... Oui, ça fait sens. Les boss de DLC de ce DLC. Ouais, logique, non? Je crois qu'il y a un truc qui va nous faire chier ici, non? Faut... Tant qu'on allume le feu, on s'en fout. Casse-toi, merci. Voilà, tant qu'on allume ce feu, on est bon. Maintenant, tout ce qu'il faut, c'est l'évincer de la game. Bon, qu'est-ce que t'essaies de faire? Merde. Raven 2020 essaie toujours de faire des parades sur des attaques sautées. J'aime de vie qui ne sont pas affectés par ton item. Ah, c'est con ça! Putain, mais. Dégagez les insectes! Ok. D'accord. Cette parade était très très bien. Fait. Okay. Maintenant je m'en fous, je peux me soigner. Ok. Je sais pas du tout comment il attaque moi. Tiens. Go. Super. Allez maintenant, c'est maintenant. Putain, il prend pas de dégâts de recul. Il est trop lourd. Il prend pas de dégâts, putain. Super. Il va se soigner? Non. Il me présente son dos, lui. Ben yes. Présente-moi ton dos, écoute. Super. Allez, taste the booyah. Bon, on a encore pas mal de gemmes de vie, tout va bien. Ok. Let's go. Il en avait marre du combat. Ouais, ouais, c'est vrai que je me suis soigné. Je n'ai pas respecté l'éthique des duellistes. Alors, putain, de mémoire, c'est où? Oh putain, ce merdier. Non, c'est pas par là. C'est pas par là. Je suis mort. Voilà. Qui veut une statue du Raven? Regardez. Oh là là, regardez un peu cette statue magnifique. Eh, pas mal. Petite statue sympa, tout ça. Petite statue très sympa, qu'elle est belle. Oh là là. Salut à toi, Koenix, du coup. Je sais pas si je t'avais dit bonsoir, je ne sais pas. Je t'ai connu sur YouTube, sur Dark Souls 3 et tes PVP. Oh là là, Dark Souls 3, les PVP, mais oui, c'était de très bonnes vidéos, ça. Toujours très qualitative. Hein. C'est par où? Peut-être là où il y a ma... Hop, ma tâche. Le son qui bug. Ok. Depuis quand il y a autant de mobs? Mais je vais jamais arriver à rentrer moi avec tout ça. Oh putain, si. Oh putain, l'enculé. En fait, d'habitude, il te fait tout de suite une attaque
Du coup, tu peux le parer très facilement comme ça. Bravel! Non, putain, dégage toi. T'as déjà joué au PVP de ce jeu? Non! Bah alors tiens, on te le met quand même dans le solo! Il est où, Serra? Il est tombé? Ah, il est là-bas. Après, t'as la technique de speedrun, hein, qui est de se caler là. Et... Ah putain, ça marche pas? Attends. Ah, il faut... j'ai pas la bonne arme, faut dire. Normalement, en fait, tu vois, tu te mets là. Et puis tu peux les bousiller. Mais pour ça, il faut que Serra il soit pas de, de ce côté-là. Bon, il est où ce con? Oh putain. Ok, ça risque d'être compliqué. J'espère que vous avez aimé me voir courir dans Elana, parce que là, on va continuer la course. Hein. J'aime de vie, j'aime de vie. Je peux pas le parer. En plus, lui, il peut se heal. J'aime de vie, j'aime de vie. Putain. Vous pouvez pas vous décoller, en fait, ou... Attends, attends, si Serra bouge pas, j'ai peut-être une chance, un espoir, là. Ok. J'ai plus d'endurance. J'aime de vie, j'aime de vie. Voilà, reste par là-bas, toi. J'aime de vie, j'aime de vie. Allez, allez. Ok, je prends des dégâts alors que non, je devrais pas de en prendre. J'aime de vie, j'aime de vie. Je suis pas très confiant là. Surtout qu'ils sont juste là. Et maintenant, c'est la partie que je déteste parce que je sais jamais trop comment faire ça. Le pilleur de tombe, on peut le... On peut pareil, on peut le parer, mais c'est pas évident, évident. Et Varg, c'est le pire. Hein. Pourquoi ils l'ont appelé ancien soldat Varg, d'ailleurs, et pas juste Havel? Est-ce qu'ils voulaient pas qu'on ait plusieurs Havel dans la même dimension? Attends, mais là, je peux parer comme ça, en fait. La magie, hein. La magie. Ah putain. Bien joué ça. Gemme de vie, gemme de vie. Et je te jure que les gemmes de vie là c'est vraiment mais ta meilleure amie. Oh putain, tu pourrais tellement refaire un remix avec ça. Je serai là, toujours pour toi. putain. Non, là, ils sont trop collés, je peux rien faire. Oui, c'est un mec avec un set d'Avel, bon. D'accord, yes. D'accord, yes. Les gemmes de vie qui se transforment en drogue. Oh putain, ah, j'imagine déjà le fanart. C'est du... le chevalier sur sa table d'hôpital avec les gemmes de vie dans la poche, tu sais. Dans la perf. Tout va bien. Bon, par contre, là, ils me font chier, j'arrive pas à les séparer. Est-ce que peut-être je tombe avec l'un des deux? Est-ce que ça se fait, ça? Ok. Par contre, si on fait de la merde, là...
Yes. Mais après ça c'est bien, mais en même temps c'est pas bien parce que il peut se heal. J'aime de vie, j'aime de vie. Est-ce qu'on va vraiment faire le boss en full parade ou pas? Et voilà, et là, regarde. Ah putain, d'accord, lui, il se... Mais t'as pas pris de dégâts, pourquoi tu te heal? Il se heal de façon random. Est-ce qu'il doit avoir un heal limité, quand même? Par contre, là, j'aime pas, il s'approche de mon dos, j'aime pas trop ça. Ok, on a juste changé le tour. D'accord. Tant qu'il l'a à deux mains, lui, on peut rien faire. Dans le dragon, c'est une bonne arme en soi. Attends, là. Oh, mais quel enfoiré! Quel enfoiré! J'avais une occasion et ce con, il me fait une attaque sautée. Regarde, tu vois, là, ils sont collés les uns aux autres. Je peux pas faire grand-chose. Ce qui me fait chier, c'est qu'ils sont revenus au même montant de points de vie. Mais fais-moi pas ça, toi! Tu vois, soit j'attends une microseconde, j'aime de vie, pour lui faire une parade. Soit je le pars direct, mais dans les deux cas, il fait jamais la bonne réponse que je veux. Allez. Allez, allez. Ah, putain, mais... Tu vois, c'est incroyable. En plus, là, il m'a mis deux coups, hein. Je tiens juste à vous préciser. Allez. Ah! Putain, il est devenu malin! Lia! Merde! Lia est devenue maligne! Oh merde! Lia a percé mon secret à jour, les amis! Bordel de cul! Putain, mais arrête de me faire prendre des dégâts, là, le jeu! Ok, reviens. Non, si c'est pour me faire ça, casse-toi! Lui, on peut rien lui faire tant qu'il passe pas à une main. Noyami, bienvenue. Bienvenue dans la communauté restreinte du Booyah. Pas mal. Ok, là on est bien. Est-ce qu'il peut se heal, le pilleur de tombe? Parce que là, il tient bien son nom et il est affaibli. Je sais pas s'il peut se heal en vrai. J'ai un gros doute. Ya! Oh oui! J'aurais pu le parer. Je le sentais pas. Je le sens pas du tout. Eh oh non, non, je fais pas tout ça pour crever comme un caca. Hein. J'aime de vie, j'aime de vie! Plus que toi et moi, hein, Varg. Enfin, ancien soldat Varg. C'est-à-dire que son nom n'est pas Varg. Ça veut dire qu'il y a une armée de Varg, je sais pas. Quand tu veux. Quand tu veux. Putain! Ah! J'aime de vie, j'aime de vie! Certains diront, mais pourquoi tu ne l'attaques pas de front? Je sais pas, peut-être parce qu'il a la meilleure armure du jeu, peut-être? Enfin, une des meilleures armures. Je suis mort. J'ai besoin d'un vrai remontant rapide là. Lol. On peut peut-être le backstab. Hein. Les backstab. Lia. Lia, mesdames et messieurs, Lia. Plus de 100 personnes qui me regardent contre Avel ou un clone d'Avel.
Allez! Elle va encore se heal, l'Alia? Tu veux te heal encore? Combien de fois peux-tu te healer? Ce qui m'énerve, c'est que là, la moindre erreur m'est fatale. Je fais le malin et tout, mais en vrai... Encore un contre et c'est terminé. Ok. Lia qui se barre, Lia qui tente une évasion. Malheureusement, ça ne suffira pas. Oh putain, taste the booyah! Oh là là, c'est beau! Oh, ça, si c'est pas beau, putain! Oh là 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 là! Oh, merci pour cette pluie de GG incroyable! Nickel. Oh, nickel, nickel. Vous êtes 98 sur live, merci à vous d'être là ce soir. Ça fait trop, trop plaisir. Et en plus, on gagne! Quoi de beau! Oh là là. Tout ça pour gagner une jupe. C'est merveilleux. Je ne sais même pas quoi dire tant devant la beauté de ce loot. Et 5 torches. Parfait. Vincent Turion, bienvenue. Bienvenue dans la communauté restreinte du Booyah. Ben voilà. Nous avons terrassé un boss. On va revenir au dernier feu. Et on va racheter des gemmes de vie. Fou. Putain. En soi, si tu sais faire des parades, le boss il peut se faire. Mais ce qui est chiant, c'est qu'ils sont toujours rassemblés les uns avec les autres. C'est très difficile de les séparer. C'est assez dur de les séparer, quoi. La robe sert à avoir un bonus d'endurance. Ah, très bien. Je l'ai jamais porté, donc c'est vrai que je savais pas forcément. Je savais que vous reviendriez. Bah ouais, forcément, tu vends des gemmes de vie en illimité. Putain, on en a cramé. Hein. Alors, ça coûte combien? Ça coûte 10 000 à peu près, dame, pour 10, 15 000 pour les gemmes, là. Ça va. Regardez, si on veut faire du PVP, il y a du monde, apparemment, ici. Apparemment. Est-ce qu'on se retente Elana? Est-ce qu'on se tente... Est-ce qu'on se fait un petit try de dragon ancien? Je tenterais bien le dragon ancien, moi. Allez. Le problème, c'est qu'il faut aller jusqu'au dragon ancien. Tu vois, le problème, il est là, en fait. Le PNJ. Enfant des jurons, y a-t-il eu de l'avancement dans ta quête? Oh, putain. Incroyable. Est-ce qu'on se le tente comme ça? De toute façon, on s'en fout. La technique, elle est inimitable et imbattable. C'est plus pour aller jusqu'au dragon ancien que c'est infaisable dans cette version. En courant, franchement, c'est infaisable. C'est infaisable d'y aller, de réussir à aller jusqu'au boss en courant. Tu peux aller jusqu'au brouillard, c'est tout. D'accord, super, merci beaucoup monsieur. Non, vraiment, je ne suis pas intéressé par vos prospectus. Allez-vous-en. Ok. Non, non, non. Voilà, et là, c'est la mort. Là, c'est le couloir de la destruction. Mais le jeu, pourquoi tu mets autant de temps pour rentrer dans un brouillard, putain? Là, c'est compliqué. Oh, putain. Et pour ceux qui n'étaient pas là lors du dernier stream de Dark Souls 2, en fait, qu'est-ce qui s'est passé avec ce dragon ancien? On est arrivé jusqu'à lui,
On est arrivé jusqu'à lui, on a fait la technique classique, sauf qu'il s'est envolé direct et il nous a cramé le cul. C'est pas n'importe quel brouillard. Parce que certains vont me dire, bah t'as qu'à tuer les mobs. Alors en vrai, les gardes Drake, non. En vrai, l'autre là, le double dragon et tout, lui il est déjà... Putain, il est fort. Mais lui à la limite, pourquoi pas, mais... Mais après le problème c'est qu'il repop les ennemis, c'est trop chiant. Chaque fois que tu meurs, tu dois recommencer... Non mais sérieux. Tu dois recommencer à chaque fois tout le processus. Salut, pardon Lucas. Oui, on a vaincu le gang squad du premier coup. Mais regarde la, la régène! Mesdames et messieurs, la régène de la fiole d'endurance ici, qui... de la fiole d'estus, hein, voilà, qui met 10 ans pour te soigner. J'ai eu le temps d'en boire 2. Un mec me prend pour le backstab. Mais non! Mais non! Mais non, mais non! Tatin, tatatin. Mais non, mais non. T'sais, après on va me dire, oh t'es quand même un peu sévère avec Dark Souls 2 et tout, il est pas si lent que ça. Je pars du principe que si je bois 2 fioles et qu'il y a une animation pour un backstab qui se fait, donc que j'ai encore du temps en plus derrière, et que le mec me backstab, ça devrait quand même me remettre full life, mais bon, apparemment, pas dans ce jeu. Ok, oh, oh, la porte qui s'ouvre toute seule, dis donc. NG plus 4, ça commence à piquer en effet. Après c'est pour ça que je vous dis toujours, en casual gaming tout ça, quand vous jouez pour vous, voilà, quand vous n'avez pas forcément envie d'aller à de très haut niveau, NG plus 2 c'est ce qu'il y a de mieux. C'est ce qu'il y a de mieux parce que au delà du NG plus 2, le jeu il est plus équilibré, hein. Il est équilibré avec le cul. Ah putain. Allez c'est parti. Il me bloque parfaitement à chaque fois. Oh là là, après tous les backstabs, comment va ton cul? Il se porte à merveille, il se porte à merveille. Oh là là, mais non, mais non, mais non. C'est pour ça que je voulais pas commencer le stream par ça, je pense que vous comprenez maintenant. Je pense que vous comprenez le truc, c'est... Voilà. En fait, c'est ce garde Drake là qui me pose le plus de soucis. C'est surtout celui-là, parce qu'après, bah, l'autre, je n'ai jamais trop affronté, le troisième. Et n'oubliez pas qu'en ce moment, le mercredi, je fais du PVP sur Dark Souls 3, pour ceux que ça intéresse. Et en plus, on discute de tout et de rien. Parce qu'au début, je me suis dit, tiens, si on faisait une espèce de stream podcast, tu vois, est-ce qu'on essaie de trouver ça un créneau en plus dans la semaine? Mais bon, 3 streams par semaine, c'est très compliqué. Et en fait, je me suis dit, bah tiens, là, en ce moment, on fait du PVP, profitons-en pour discuter de tout et de rien. La dernière fois, on parlait d'argent sur YouTube, alors bon, c'est plutôt sympathique. Là, je sais pas trop de quoi on va parler, mais... Ah si, j'ai peut-être une idée de thème. J'ai peut-être une idée de thème. Mais regarde, mais putain, mais l'IA 400 de IQ, quoi. L'IA 400 d'IQ, elle te bloque à chaque fois parfaitement. Tu longes les murs, elle se met de façon à ce que tu ne puisses pas bouger du mur et du coup, elle te démonte. Tu te mets au milieu, bah elle se met devant toi et elle te bloque. Eh mais franchement, l'IA... Alors, autant Schmitt, il était nul à chier, hein. L'IA, non. Mais autant là, quand même, hein. quand même. Mais c'est... Encore une fois, c'est pas que je veux pas ne pas faire les défis, tout ça, des dragons. C'est juste que, si je le fais, je vais arriver en haut contre le dragon ancien. Ben, je vais... Comment te dire que voilà, j'aurai plus de fioles, j'aurai plus de gemmes, j'aurai plus rien, mon équipement sera brisé, qui plus est. Ok, il m'aurait touché, je pense, d'habitude. Ah, mais l'IA, elle a appris mes patterns par cœur. Ah, regardez, on va essayer de passer sur. On va essayer de longer le mur sur la gauche ou droite. Allez, pronostic. Les pronos. On va aller sur la droite. On va aller sur la droite, regarde, on va les feinter. On va essayer de les feinter.
Regarde ça. Oh là là, je vais à gauche. Oh là là, mais incroyable. Et non, on va à droite. Yark. Putain, mais non, mais ma double feinte. Chrono, un décès. Bon, allez, tant pis. On va faire le défi des dragons. Très bien. Allez, c'est parti. Mais ça prend 10 ans. Il a combien de coups dans son combo, lui? Allez, défi des dragons. Parce qu'apparemment, je ne peux pas gruger. C'est ça qui est chiant en fait sur la version scolaire. Si t'as foiré la première fois que t'y vas, tu sais, genre que tu fais le dragon ancien, bah après, bon courage pour y retourner quoi. Tu vois, donc là déjà j'ai perdu ça. J'aime de vie, j'aime de vie. Bon, ça y est, tu me respectes. Sinon, toi ça va? Tu connais la j'aime de vie? C'est bien hein. D'un claquement de doigts, tu récupères ta vie, dis donc. Mais c'est lui qui me fait peur là, lui il est affreux. Regarde ça, il ne craint rien. Ah non, mais la poise. La poise, mesdames et messieurs, la poise. La poise. Le concept de la poise. La poise a été inventée il y a bien longtemps dans beaucoup de jeux vidéo. C'est ce qui permet de dire que votre personnage se fait stun par un coup. On appelle ça un stun dans le milieu. C'est-à-dire que votre personnage, pendant quelques microsecondes, est vulnérable à une autre attaque et ne peut pas faire d'esquive. Dans Dark Souls 2, cette merde de poise, du coup, est multipliée par 15,3. Ce qui veut dire que Raven n'avait absolument aucune chance d'esquiver le deuxième coup porté par ce garde Drake. Et je rappelle que la poise de Dark Souls 3 est nulle à chier. Je suis mort. Ah non. J'aime de vie, j'aime de vie. Donc voilà, c'est ce que j'ai dit en fait. Ça me dérange pas de faire ces défis, tu vois. Mais juste ce garde Drake, c'est le cauchemar. Je peux lui mettre qu'un coup en fait à chaque fois. Attends, on va le recentrer parce que... Oh ! Ok. Putain de bordel de merde. J'aime de vie, j'aime de vie. C'est bon, tout va bien les gars. La zone est sécure. En fait le mec il a arraché une colonne. Et du coup il s'est dit, putain viens je m'en sers comme arme. Bon, alors lui je le connais moins. Ouais bon. En fait, je connais son pattern uniquement parce que c'est les attaques qu'il me fait quand je veux passer la porte. Ce qui est pour l'instant très logique. Je suis très concentré, je lirai le follow juste après, promis. Ok. Eh ben. Ouh ! Nickel ! Asmorvinin. Bienvenue dans la communauté astreinte du Bouya. Et Balmog GM, bienvenue.
Bienvenue dans la communauté restreinte du Booyah. Asmorvinin, bien le bonsoir à toi, excuse-moi, j'ai vraiment beaucoup de mal avec ton pseudo, je suis désolé. Décalion, bienvenue. Bienvenue dans la communauté restreinte du Booyah. Allez maintenant. Le challenge le plus relevé. Là par contre j'aurais besoin de mes fioles d'estus. Alors là, ça va être délicat ici. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait ce type, mais de ce que je me souviens, il t'enchaîne. Yes, on lui fait pas de dégâts. Ok. Non. Mais il te tue en deux coups, bien sûr. Sinon, c'est trop facile. Elfakez, bienvenue. Bienvenue dans la communauté restreinte du Booyah. Et merci aux 41 subs de la chaîne. Ça fait trop plaisir. Ça fait trop plaisir. Merci beaucoup à vous. Asmor, ça va aussi. Oui, je vais t'appeler comme ça. Ça sera très bien. Bah voilà, faut tout recommencer maintenant. Hein, c'est pour ça que je veux pas faire ça, mais... Attends, j'ai peut-être une idée. J'ai peut-être une idée qui sera nulle à chier. Mais quand on est désespéré comme moi, et qu'on n'a plus rien à perdre, on doit utiliser ça. Je sais ce que vous allez dire, mais Raven, n'utilise surtout pas les crânes élégants. Ça n'a jamais servi à rien. Je le sais, ça attire certains types d'ennemis. Mais peut-être, en y croyant assez fort, peut-être que ça peut attirer ces soldats draconiques. On n'en sait rien. Tant qu'on n'a pas testé, on peut pas le savoir. Imaginez que cela a une chance de fonctionner. Ok, yes. Imaginez que ça fonctionne. Sam le million, bienvenue. Bienvenue dans la communauté restreinte du Booyah. Ok. C'est l'heure de vérité. Est-ce que les crânes élégants servent vraiment dans ce jeu? Ok, ils vont pas y aller. Cette armée. Putain. Pourquoi les crânes élégants ne fonctionnent jamais avec moi? Pourquoi? Pourquoi c'est toujours comme ça? Pourquoi est-ce que tout le temps là, les crânes élégants, non. Non. On va retenter quand même. Ah putain. Allez. Ah bah exactement, Asmor, exactement. Autant regarder les lives. Au moins tu participes directement à l'action. C'est toujours plus sympa. Hop là. Allez, on passe. On va retenter. Peut-être essayer d'être plus malin, je sais pas, attends. On va voir. On va voir. Oh là là, mais regarde combien ils sont. Ouais, sinon toi, ta femme, ça va? Oh non. Oh non. Donc nous venons de prouver par deux fois que ces crânes élégants sont aussi utiles qu'un pansement sur une jambe de bois. Magnifique. Après, je sais très bien qu'il y en a, une fois que la VOD sera sortie, qui me diront par commentaire sur YouTube que bah, moi, les crânes élégants, ça fonctionne tout le temps et tout. Ouais, bah pas moi en fait. Comment vous dire que moi ça ne fonctionne jamais? J'ai pas utilisé sur beaucoup de mobs. Mais alors le peu de mobs que j'ai utilisé, c'était toujours des trucs de merde. Hein. Ah, le gangbang.
Allez hop. Et n'essayez même pas de faire des clips. Ça ne... Non, ça ne compte pas. D'ailleurs, il faut que je fasse la vidéo de fin d'année pour le best-of de l'année sur Twitch. Je crois pas qu'il y ait eu beaucoup de clips, mais bon. Sur l'ensemble de l'année, on arrive quand même à faire un bon truc, donc ça va. Bon, en plus, on avait déjà fait un bout de best-of avec le Man Event au mois d'avril. Bon, allez. Ok, ok. Mais pourquoi vous êtes si méchants? Parce que... Ah, putain... Oh. Oh mon dieu... Oh là... Je sais, j'ai une méthode. J'ai une théorie. Est-ce que vous me suivez sur cette théorie, les gars? Et vous êtes plutôt en train de vous dire... Des conneries, ouais. Non, 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 j'ai vraiment une théorie. J'ai une astuce, vu que l'écran élégant ne fonctionne pas. On va voir. J'ai une astuce. J'ai peut-être une astuce. Bon, on m'a pas dit qu'il fallait que je sache ouvrir une porte, hein. Oh mon dieu. Voilà. Ensuite, j'ai une autre théorie. Que j'aimerais essayer. C'est beaucoup plus compliqué à activer. Hein. Mais en gros. En gros. On va faire ça. Non. Voilà. Et là... Voilà, on les attire. On y croit. Allez. Oui. Ha. Enfin, le dragon ancien, il est là. Oui. Oh putain, tellement heureux. Oh. Oh mon dieu, qu'est-ce que tu fais, dragon? Oh putain, tellement heureux. Ouais, je fais pas de dégâts, on va mettre 10 ans pour le tuer. Oh là là. On n'arrivera pas à le tuer. Attends, merde, il va s'envoler. Le con. Je hais ce boss. Bon, il y a très peu de chances qu'on y arrive. Hein. Je vais être sincère avec vous, les amis. Ça va être très très compliqué. Hein. En vrai, il a une bonne OST, ce con.
Encore? C'est très 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 long. Il va encore s'envoler? Bah pourquoi il veut pas rester en place? Est-ce que je le tape pas assez? Je sais pas. Aucune idée. Je dirai les follow juste après, hein. Désolé, c'est pas contre vous. Je suis mort. C'est terminé. Mais pourquoi il s'est envolé d'un coup comme ça? Pourquoi il s'est envolé comme ça? Bah yes. Ok.